doucement. La course, c'est l'après-midi, hein, les gars, là. Voilà. Il faisait quoi? J'ai creusé la main et puis je vais laisser un peu dans le vide, puis il a accéléré. Pardon? Le travail sur toi, ça l'a mis encore plus sur tête. Ah ben c'est sûr que les chevaux ils sont en bois avec du lait tranquille, hein. Ils sont plus calmes, hein. Ça c'est sûr et certain. Hein. Des boîtes au camp militaire, un petit canter hein, sur la main jusqu'au bout. Attendez. Hop. Oh, porte la basse. Alors. Comment vas-tu? Très bien. Et toi? J'ai fait le record là. Ouais. 25 minutes. Ouais. Bon. Alors, chose simple, vous me les mettez ensemble. 1, 2, 3 et 4. Attendez qu'on soit arrivé quand même. Hein. Alors vous avez compris votre travail. Lui devant, toi deuxième position, toi troisième, toi quatrième. Hein. Et après la dernière, vous les allongez un petit peu si vous voulez, il n'y a pas... Et vous faites pareil, mais sur les 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Compris? Bon, ben allez, on y va. Ne répondez pas tous ensemble, hein? Oh! Vous avez compris le travail? Bon, ben alors répondez oui ou merde! Parce qu'après vous faites que des conneries. Après, hey, j'ai pas entendu, j'ai pas compris. Ouais, ben alors, quand on vous parle, répondez! Ton jockey est pas venu me sauter? Qui? Il va monter en province. Ah. Il a le cheval du grand cible, il va monter en province. Oh. En haie ou en crosse. Bon, chacun fait son métier comme il entend. Hein. Ouais. Moi je suis pas jockey. Hein. Peut-être mieux qu'il s'accidente pas quand même. Ouais, oh ben, il s'en prive pas. Hein. Ouais. Il s'en prive pas. Enfin bon, écoute. Ouais. On verra bien. Pour Cheltenham. Pour le meeting, ils vont pas faire les cons sur des bourricots que nous avons, hein. Non, mais pourquoi? Non. Parce qu'ils sont professionnels et respectueux, des propriétaires qui leur donnent des bons chevaux. Hein. Nous, c'est à la française, quoi. Ouais. Rolonas, le nom de tête là. Ouais. Championne. On ne regarde pas. Il a fait une super pointe de vitesse. Ouais. Bon, ben, mesdames, messieurs, la cour a... Faites comme d'habitude, les deux tours, ils vont rentrer. L'heure qu'il est, ils peuvent passer par l'église. Pour les croyants, mettez un cierge. Et les non-croyants, vous pouvez vous convertir. On les empêche pas de galoper, hein. Ben non, vaut mieux pas. Ben non. Pas fait pour. Ben non. C'est pas fait pour, mais ce qui est marrant, c'est que quand les chevaux vont doucement, on dit qu'ils sont pas bons. Ah. Et quand ils vont vite, on leur tire dessus pour qu'ils aillent doucement. Alors, j'ai du mal à comprendre, mais il paraît que c'est comme ça. Les courses françaises, que tu cours 1000 mètres ou 4000 mètres, c'est toujours 400 mètres. Ah ouais, une jument, la poule d'essai des pouliches, là, des chevaux de cette qualité, là, ils se sont marchés dessus, ils se sont jetés. Ah ouais. Bon. Moi, de toute façon, je suis contre les leaders dans ces courses-là. D'abord, c'est contre le code des courses. Ces chevaux-là, ils ne défendent pas leur chance. Hein. Oh. Et ils gênent les autres chevaux. Il y a toujours un foutoir avec les leaders. Ribaud, il avait besoin de leaders. Non. Bon. Hein. Sirius des Aigles, il a besoin d'un leader? Oui, hein, il l'a fait lui. Ah, mais voilà. Hein.
incroyable, le leader, alors un coup tu mets un leader pour qu'il aille vite, il est 200 mètres derrière, ça sent rien, un coup tu en mets un pour qu'il aille doucement, et quand alors ils sont derrière, ils tirent, donc. Ils aillent apprendre leur métier en Angleterre, puis après ils reviendront. Bon ben Shannon il essaiera de faire un peu mieux que l'année dernière. Ben, juste un petit peu mieux, ça suffira. On va pas l'empêcher, mais l'année dernière, je pense que il aurait pu gagner. Je pense qu'il aurait pu gagner une grosse type. En fait, c'est du passé. Ouais. On va pas regarder dans les rétroviseurs. Ben On va regarder devant nous. Quoique, regarder derrière, ça permet quelquefois de comprendre le présent pour préparer l'avenir. Hein. Mmh. Ben oui, on n'a rien inventé. Hein. Il suffit pas d'avoir tous les paramètres, il suffit pas d'avoir le bon cheval. Mmh. Déjà, il faut que les jockeys, ils comprennent ce que dit le starter français. Ouais. Hein, c'est déjà pas mal. Alors, les jockeys anglais, quand ils viennent en France, avant de monter, il faut qu'ils aillent prendre des leçons de français pour comprendre ce que dit Robbie Wall, il a dit, je suis pas bien parti parce que j'ai pas compris le français. Normalement, dans les hommes de chevaux, on n'a pas besoin de parler. Non. L'homme de cheval, où que tu sois, peu importe la nationalité, ouais. L'homme de cheval, on ne parle pas. C'est dans l'agissement qu'on se comprend. Mais lui, il a dit, le starter français, ouais. Pas facile de comprendre. Il va faire ses leçons. J'ai cru qu'il parlait de Remember Rose. Ouais. Le starter, c'est une faute. Non, mais c'est une faute professionnelle. Oui, oui, oui. Professionnelle. C'est un manque de respect pour tout le monde, pour les gens qui ont joué, le turfiste. Pour l'éleveur, le propriétaire, l'entraîneur. Ce que j'ai jamais compris, c'est pourquoi ils n'ont pas repris le départ, ce genre-là. Mais parce qu'il n'y a pas de faute. Parce que eux. Ah, derrière eux, ils estiment qu'il n'y a pas de faute. Ah, ben, pas de faute. Ils disent que c'est la faute du jockey parce qu'il a voulu voler le départ. Mais c'est ce qui n'est pas vrai. Hein. Ben non. Mais si c'est vrai, ben on fait faux départ, un peu. Hein. Voilà. Ouais. Un peu de compétence et un peu de respect, ça ferait de mal à personne. Sur 6000. Mètres, c'est pas vraiment important pour faire une ligne et un départ avec. J'ai compris votre question, mais à mon avis, pour eux, ça devait être 800 mètres ligne droite. Ouais. Si au bout de 6 minutes, ils ont comme ils sont partis en ligne droite, ils ont dû dire. Non, on n'a pas les box pour les. Mais bien sûr, il n'y a pas la place. Non, mais normalement, ouais. Le starter, c'est le général, ouais. Et les jockeys, c'est le soldat. C'est le général qui donne les ordres aux soldats. Ouais. Nous, en France, c'est le contraire. C'est le soldat qui donne les ordres au général. Oui. Non, monsieur, non, je suis pas prêt. Je pars pas. Non, mais on aurait pu tuer le jockey, on aurait pu tuer le... Ouais. C'est grave, quand même, hein. Mais au plus on va vite, au plus il y a du danger. Hein. Au plus on va vite, au plus on est sur les épaules. Mm-hmm. Et pour qu'un cheval saute, il faut qu'il fasse ça. Et dans la même foulée, vous ne pouvez pas faire ça et ça. Hein. Mm-hmm. Et voilà. Un homme de spectacle, c'est sûr. Quand on a sa casaque et ouais. Qu'elle s'appelle le Zingaro, on ne parle pas d'argent. Voilà. Ça, c'est Bartabas. Je vais peut-être, j'aurai 15 jours, 3 semaines, c'est sûr que ça serait mieux. Mais je ne vais pas être loin du top. D'accord. Il ne va pas être loin du top. Il est aussi bien que l'année dernière ? Ben moi je pensais qu'il était mieux. La tactique c'est gagner. Oui, c'est la meilleure. C'est la meilleure tactique. Une fois que je l'ai scellé et que le départ est donné. C'est le pilote qui est maître à bord. Je suis comme le turfiste. Le turfiste il regarde son ticket de PMU courir. Et moi, je regarde mon travail. Voilà. Quand on gagne, il fait cocorico. Quand on est battu, ben, c'est la faute de ci ou c'est la faute où des fois, il n'y a pas de faute. Mmh. Mais enfin, voilà. Mmh. On n'est plus maître de la situation. Hein. L'obstacle qu'il a le mieux sauté, c'est le rail ditch. Quand il est venu, ça a accéléré sur le rail ditch. Il est venu entre deux chevaux, bien canalisé, bien tendu. Le cheval est arrivé, il s'est calculé. Oh, wow, il a fait un bond. Bon est un mot faible. Ouais. Il était une puissance. C'était... Quand il marchait, on disait Tyson. Ouais. J'étais à Los Angeles et puis d'un coup, je vois Tyson arriver sur le trottoir. Mmh. Vrai, hein ? Ouais. J'ai dit, c'est Cody Jett qui arrive. Il marchait comme un... Oh là là. Soyez prévenus dès qu'une vidéo est postée en vous abonnant gratuitement sur Facebook à 2 heures, YouTube à 2 heures,
et bien évidemment Twitter, Yann, Adeturf. Vous avez également la possibilité de nous regarder sur le site adeturf.com, bien évidemment.